Tu veux me soutenir tout en ayant tes jeux moins chers? Clique sur le lien dans la description et fais-toi plaisir. Et salut à tous les amis, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne et bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo sur House Flipper. Bienvenue à toutes et à tous, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On est parti, on continue notre aventure de Nico le Bricolo. Et on va tout simplement, hop, on va bien remettre ça droit. Il faudrait faire la vaisselle et tout, mais bon, on s'en fout, on est quasiment jamais là. Donc on est parti pour un nouveau chantier. Alors rappelez-vous, on s'est un petit peu fail sur le précédent. On n'avait pas entièrement bien respecté les consignes. Alors, préparation du nouveau-né. Alors là, ils disent qu'il faut donc, ils ont acheté une maison. Alors il faut la nettoyer. Il faut préparer une chambre d'enfant. Il faudra acheter un lit, une table allongée, quelques jouets. N'oublie pas de repeindre les murs de la chambre de notre princesse en rose clair. Allez, c'est parti. Alors, justement, on est là. Hop, allez, c'est parti. Donc là, on a beaucoup de boulot. Hop, on ouvre. Ah oui. Effectivement, il y a du bordel. Alors, on va faire pièce par pièce. Voilà, il y aura certainement de l'électricité et tout à revoir, je pense. Hop, mon dieu, cette maison est dégueulasse. Ah oui, on pourra bouger les armoires et tout, mais bon, c'est pas le but. C'est comment c'est dégueulasse, mon dieu. On dirait que ça a été squatté le truc en fait. Voilà, hop. Hop, voilà. Donc on a enlevé toutes les ordures. Maintenant on va. Ah, on a un viseur, j'avais même pas vu, dis donc. Allez, c'est parti, on est dans cette pièce là. Bon, on y va, on commence à sticker. Voilà, on va tout bien nettoyer. Parce que là, il y a du nettoyage à faire déjà, rien que dans cette pièce. Il va falloir nettoyer les vitres aussi. Alors ça, ça va être un peu casse-pied. Mais bon, là, à mon avis, il y a du gros sou à se faire sur ce chantier. Donc, on va faire pièce par pièce, au calme, bien tout nettoyer. Hop. Allez, voilà. Alors, on va nettoyer la petite fenêtre. Voilà. Ensuite, donc, il nous faut... alors, attendez. Nettoyer la fenêtre E. C'est parti. Donc, on a le petit vaporetto. Hop. Ah, ça ramouille un petit peu avec le vaporetto. Hein. Faut vraiment y aller tout en douceur. Voilà. Impec. Première fenêtre de propre. On nettoie la deuxième. Hop. Impeccable. Alors pour l'instant, on fait du petit bricolage, du nettoyage, mais on se fait la main. On va gagner des points de compétence et on va tout simplement se faire de l'argent. Bon, c'est où qu'il y a encore du sale? Hop, là-haut. Dans le coin, là-haut. Oui. Je veux bien, mais... voilà, ça c'est propre. Ensuite, autre fenêtre à nettoyer. Ah, la petite fenêtre est bien dégueulasse. Hein. Va falloir s'en occuper juste après. Putain, le... Ça ramouille un peu avec... quand on nettoie les vitres. C'est pas fluide. Allez. Oh là. C'est vraiment pas fluide du tout. Hein. Hop. On va prendre le balai. Voilà, nickel. Hop. Allez. Le petit nettoyeur de vitres. Attends, je crois qu'il y a un petit carré là-haut. Ouais. Hop. 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 Donc après, c'est sûr qu'on aura beaucoup plus de sous. Déjà, on va pouvoir se faire une belle petite cabane. Voilà, ici, c'est bon.
Tiens, 93% de... Il y a des salissures encore? Où ça? Dans cette pièce, il y a encore des salissures. Où est-ce que c'est encore sale? Attendez, je vais fermer la porte. Regardez, on a 4 fenêtres et on a 93% de salissures. Je ne sais pas où c'est sale. Ah, le long du mur peut-être. Ouais, c'est ça, le long du mur. Voilà, nickel. Donc cette pièce-là est faite. Donc, on passe à la suivante. On va aller faire, on va aller nettoyer la salle de bain. Allez, c'est parti. Hop là. Est-ce qu'on peut nettoyer les faïences? Je sais pas. On va nettoyer là, les toilettes. Voilà, tac, la pièce de fenêtre, par terre. Allez, autour des toilettes, à ras du mur, là. Hop, allez. Nickel. Ah, faut mettre le petit curseur, en fait, sur ce qu'on veut nettoyer. J'ai l'impression. Pourquoi ça veut pas nettoyer? Oh. Ferme la porte, c'est sale derrière. Voilà, allez, hop. On se dépêche, on a stick. Allez. Voilà, 95%, il y a encore du sale ici, mais j'arrive pas à la voir. Ah, voilà, je l'ai eu. Nickel. Ensuite, il faut nettoyer la vitre. Alors, c'est parti. On nettoie la vitre de la salle de bain. Oh là là, ça lag. C'est pas très bien optimisé, hein, leur truc. C'est un petit jeu sympathique, mais c'est... Ça lagouille un peu. Hein. Surtout quand on nettoie les vitres, hein, ça bug. Voilà, alors, salle de bain terminée. Merci beaucoup. On va s'occuper de l'entrée, on est dans l'entrée, donc on y va, hein. Hop. Voilà, il y a du nettoyage de mur. Voilà, tac. Hop, on va nettoyer le mur, on va nettoyer ça. Je sais pas si on peut le nettoyer, ça. Voilà, 81%. Ah, les portes. Les portes sont dégueulasses. Allez. Voilà. Donc, l'entrée, elle est faite. Ensuite, la chambre ici. Hop. Eh ben, dis donc, les gens sont des pourchiots, hein. Moi, je sais pas, j'achète une maison si elle est dégueulasse comme ça, mais tu peux me croire que les mecs, ils vont baisser le prix, hein. Hop, on nettoie. On nettoie le meuble. Hop, allez. Alors, enlever les ordures, nettoyage de la pièce, 91%. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je ne sais pas. Ah là, le côté du placard. 95. Lit de couchage. Voilà, on a refait le lit. Parfait. On est des bons, hein. Attendez. Non. Hop. Ah bah la porte s'ouvre dans les deux sens. Lol. Je ne sais pas où c'est encore sale en fait. Je me demande si on va pas non. La main. Hop, on va bouger le lit. Est-ce que c'est sale derrière ici? Non, c'est pas sale. Hop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que le lit est sale? Non. Je sais pas. Les placards? Non. Alors, attendez. Hop.
Hop. Est-ce que c'est ça le derrière? Non. Hop, on va mettre celle-là là. Non, c'est pas ça. Donc je ne sais pas pourquoi il me dit que je suis qu'à 95% de nettoyage. On va bouger le dernier meuble ici. C'est peut-être en dessous. Non, même pas. Je suis qu'à 95% de nettoyage des salissures. Je sais pas où est-ce que c'est ça d'ailleurs. C'est assez... C'est assez embêtant là. Bon, je vais nettoyer les fenêtres. Hop, on verra bien. Allez, c'est parti. Après, il va encore avoir de la peinture et tout. L'épisode fait déjà 10 minutes. Hop. Allez. Ça lagouille, ça lagouille, ça lagouille. Ah oui, là. Ouf. Oh, le lag. Faut y aller tout doucement pour les carreaux. Autrement, ça bug. Hop. 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 Nickel. Du coup, on n'est qu'à 95% de nettoyer les salissures, mais je ne sais pas où est-ce que c'est sale en fait. Parce que là, concrètement, on n'avait pas un truc qui permettait d'avoir... tu vois la plupart des salissures, ouais. Il faudrait que j'augmente ça, en fait, la vision perspicace. Mais là, c'est pas possible. Ce qu'on va faire, on va demander... Voilà, on va baisser un peu les exigences de chantier. Impec. Non, c'est tab pour quitter. Ouais, mais du coup... I don't know, hein. Voilà. J'essaye, mais bon. Allez, c'est pas grave, on passe à la pièce suivante. Hop, c'est celle-là. Allez, on nettoie, ça va être la chambre d'enfant, plus ici. Donc, il va falloir la repeindre en rose clair. Si je me souviens bien. Voilà. Hop là, l'armoire. Hop. Alors, je ne sais pas s'il va falloir garder l'armoire ou pas. En tout cas, là, pour l'instant, on va nettoyer. C'est bien sale. Hop. Après, on va gagner des compétences. On va pouvoir monter de la moquette, du parquet. Et je pense qu'on peut même... On va pas pouvoir construire nous-mêmes les maisons, mais on va pouvoir faire pas mal de choses. Ça va être super intéressant. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu redondant. Il n'y a pas de musique. Mais what? Mets-moi de la musique, bordel. Nettoyer les serrures, 93%. Là, encore un petit peu. 96. C'est pas les plafonds qui sont dégueulasses, non? Ah, voilà, on a tout nettoyé. Ah, bon. Ensuite, on va nettoyer les vitres. Donc, on va y aller vraiment doucement. Voilà. Hop. Ah, faut vraiment bouger la souris tout doucement. Et là, ça bug pratiquement pas, en fait. Ok, on va descendre. Pouvoir nettoyer les carreaux, ouais. Voilà, une fenêtre de fête. Hop, la deuxième. Hop. Allez, hop, 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 hop. Voilà, allez, hop, on descend.
On nettoie, on est bien. Et je pense que l'épisode aura été assez long, à moins que j'arrive à faire les peintures et tout. Voilà. Alors ici, placer 5 objets, donc liés enfin et tout. Peindre avec la couleur rose pastel. Ok. Du coup, on va aller au shop. Bah, l'espagnol. Ah, d'accord. Paf. Tiens, vas-y. Comme ça, on verra un peu plus les tâches sur le truc. Magasin. Mur. Rose. Pastel, c'est ça? Attendez. Rose pastel. Alors, ça, c'est rose pâle. Aura framboise. Rose. Rose pastel. Paf. 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 Non. Impec. Allez, c'est parti. On repeint la chambre pour la petite fille qui va naître. Voilà. Alors, il faudra peut-être un deuxième pot, je ne sais pas. On verra. Allez, zou. On va déjà faire tous les pans de mur et on verra s'il demande à... s'il manque de la peinture. À ce moment-là, on fera les cadres de fenêtres. Hop. En fait, on a 1% par bande de peinture, en fait. Hop. Hop là. Voilà, nickel. Je veux pas vous faire des épisodes trop longs. Mais on va essayer de faire au moins une petite mission par épisode. Après, s'il y a des choses redondantes, je couperai au montage, hein, je pense. Hein. Hop. Tac. Nickel, Michel. Hop. Bonjour, entreprise Nico Bricolo. On rénove les maisons. On vous fait la déco. Contactez Nico. Ouais. Ah là 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 là. Ouais, hop. Ah, un peu de peinture. Voilà. Bon, à mon avis, il faut faire tous les 4 de fenêtre, hein, parce que là, on est qu'à 70%. Ah! 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 Ah, plus peinture! Ah, plus peinture, en fait. Ah, plus peinture. Merci, peinture. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? 94%. Moi, je veux bien, mais j'ai oublié quoi? Là, je repasse sur toutes les passes. Pour être sûr que c'est bien peint partout. Ah, là-haut. Voilà. Quatre-vingt-quinze.
Peut-être oublier des petits endroits. Hein. Il y a peut-être des passes dans la peinture. Sans, si on voit le rouleau s'agiter. Moi, je veux bien, mais bon. Ah, là, il y en manque un petit peu. Bah écoute, voilà, hein, on va dire que c'est fait. Ça, on va jeter. Non. Voilà. On va aller foutre le pot de peinture dehors. Bonjour. Voilà, comme ça, il nous emmerde pas. Voilà, bon, bah la chambre, le problème, c'est que, voilà. Il faut placer donc un lit d'enfant. C'est bizarre, il me dit qu'il y a 95% de peinture faite alors que j'ai tout fait, regardez. J'ai fait le tour, j'ai même fait l'encadrement des fenêtres. Bon, c'est très bizarre. Voilà, on va mettre l'armoire ici. Alors, moi je veux bien, je sais pas comment on va placer ça, mais bon. Magasin. Mobilier. Ah, il faut un lit d'enfant. 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 Une table allongée, j'avais vu dans le truc. Alors attendez. Commode. Repose-pied, on s'en fout. Un lit d'enfant en épicéa, ça serait ça alors du coup. Le bois, pff, on va garder comme ça et puis allez hop, on s'en fout, on fait ça. Le lit d'enfant, on va le rotate. Hop. Bon, on va le placer comme ça de toute façon. Je suis pas sûr que tant que tu le places. Voilà. Non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Non. Je ne sais pas du tout. Voilà. Ok, c'est bon. Je ne sais pas en fait parce que ça m'a pas mis de truc. C'est assez bizarre. Non. Annuler, comment on fait pour annuler? Voilà, comme ça. Ah là, je sais pas du tout en fait, ça me... Non, c'est pas dans décoration, c'est... je sais plus. C'est dans mobilier. Je suis bête. Suis-je bête? Lit d'enfant, c'est ça. C'est forcément ça pour les bébés, mais oui. Mais oui, Nico, mais oui. Mais oui, t'as été papa, Nico, tu le sais. Voilà. Voilà, il reste plus que 4 objets. Alors, on retourne dans le magasin. Si on fait ça, on retourne là-dedans. Donc, il nous faut une table allongée. Où est-ce que c'est? J'ai peut-être loupé, hein. J'ai peut-être loupé. Repose-pied. Table de nuit, meuble à chaussures, table allongée, meuble allongée. Ça, je sais qu'il faut. Voilà, on va faire rotate comme ça. Hop, on va la mettre là. Voilà.
Ensuite, bibliothèque, cale, quelque chose. Je ne sais pas quoi, j'arrive pas à voir ce qui est marqué, mais c'est pas très grave. Bibliothèque, cale, bah c'est ça. On va garder en blanc, acheter, on va poser ça là. Voilà. Deux poufs. Ok, donc deux poufs. Des poufs, il faut des poufs, des poufs, des poufs, des poufs. Si on écrit pouf ici, qu'est-ce qu'on a? Rechercher. Ça marche ou pas le truc de recherche? Non. Non, ça marche pas. Va te gratter. Va te gratter. Alors, des poufs. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça peut-être plus bas que j'ai pas vu? Les poufs, les poufs, les poufs. Pouf! Voilà, deux poufs. On va les prendre en rose comme ça, achat multiple. On va en mettre un là. Et pourquoi pas, hein, ici, on va le tourner un petit peu. Bon, c'est pas grave. T'es mis comme ça. Pièce meublée, c'est bon. Bon. Par contre, 95% la peinture. Tâche dans les autres pièces. Il y a encore du boulot. C'est là-dedans ici. On va essayer de prendre le balai. On va essayer de frotter partout du coup. On va voir ce que ça donne. Si ça change quelque chose. Ah là, la porte. Voilà. C'était la porte. Merde, je me suis enfermé dedans. Alors, bah, il reste plus que la peinture. Nettoyer station, enlever les ordures. Ok. Bah écoutez. Allez, un petit peu peut-être le paillasson à nettoyer, non? Non, ça va. Bon, eh ben on a terminé. 26 minutes. Il y a juste là qui nous dit qu'il manque 5% de peinture. Donc je ne sais pas où. Je ne sais pas du tout où. Il manque 5% de peinture, je ne sais pas. Je suis repassé deux fois dans toute la pièce. Elle a l'air d'être propre. Donc, bon. On va valider le chantier comme ça. On va faire entrer, terminer la maison. Voilà, 99%. Bon. Il manque un tout petit peu de peinture dans la pièce, mais j'ai pas réussi à trouver où. Bon. Voilà. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. Nous avons 32 431,85 €. C'est très précis. Voilà, on est dans notre bicoque. Alors, je pense que l'épisode précédent, l'épisode suivant, on va peut-être essayer de se restaurer un peu notre bicoque. Je sais pas ce que vous en pensez. On va regarder ce qu'on peut faire. On va déjà se mettre du chauffage. Se faire un bon nettoyage. Pourquoi pas un bon coup de... Ah oui, ça, le plâtre, on peut pas encore le faire. Un bon coup de nettoyage. Un bon coup de peinture, éventuellement. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Ouvrir. Le problème, c'est que les placards, ils sont morts. Voilà, il faudra changer les meubles de cuisine ou les réparer. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous pouvez interagir dans l'espace commentaire. Avec le petit pouce en l'air aussi, si ça vous a plu. Nous, on se retrouve très vite sur la chaîne. N'oubliez pas aussi, petit en haut à droite, ben la playlist, l'épisode précédent, tout ça, dans la description, le lien Instant Gaming. Voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Portez-vous bien!